Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format un peu plus court que d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais me concentrer sur la préparation de l'amorce pour une pêche en rivière. Là je suis sur un parcours où il y a un gros tirant d'eau et forcément avec une amorce standard on ne pourrait pas pêcher. Donc je vais vous donner quelques conseils et astuces pour alourdir votre amorce et surtout pour avoir une amorce très collante à partir d'une amorce du commerce, hein, toute simple. Mais pour avoir de l'amorce qui claque bien. Voilà, et surtout une amorce qui va tenir au fond, qui va vous permettre de bien faire monter les poissons, de bien caler la pêche sous le sion. Aujourd'hui, moi, je vais pratiquer une pêche au flotteur plat, donc j'ai besoin d'une amorce qui tienne vraiment bien à l'aplomb de ma canne pour essayer de faire monter les plus beaux poissons. Voilà, donc les produits que je rajoute dans mon amorce, en fait, c'est tout simple. De la chapelure, vous pouvez soit l'acheter ou la préparer vous-même. Des graviers, donc... Je vais dans un tas de sable et je tamise mes graviers. Et puis de la terre que je ramasse souvent dans les champs près de chez moi, de la terre de taupinière que je prépare en début de saison, après dans des sacs, et je m'en sers au fur et à mesure de mes besoins. Voilà, allez, c'est parti, on va sortir les sacs et je vais vous expliquer tout ça. On va attaquer tout de suite avec la préparation de l'amorce. Donc là, je suis sur une petite rivière qui se jette dans la Loire avec un peu toutes les espèces de poissons. Je vais faire une amorce assez foncée parce que l'eau est quand même pas très très teintée, elle est encore un peu claire pour la saison. Donc je vais mouiller de l'amorce Blackjack, donc une amorce que vous connaissez, hein, assez riche en farine de poisson et farine de crustacés. Je vais y mettre environ 1 kg de chapelure. Voilà, je vais déjà bien mélanger l'ensemble. Alors je rajoute de la chapelure pour que le mélange soit quand même pas trop nourrissant. Voilà, on va déjà mélanger les farines une première fois. Donc l'idéal c'est de la mouiller au batteur. Mais bon, le batteur il est resté dans le sous-sol. Donc c'est pas grave. Voilà, donc ça fait une amorce assez foncée. L'amorce Blackjack, c'est une amorce noire qui convient très bien à cette période, novembre, décembre, janvier. Voilà, et surtout au mois de novembre quand les poissons s'alimentent bien, puisque c'est une amorce qui est donc assez riche en farine de poisson. Voilà, je vais laisser gonfler les deux farines. Je vais juste remouiller un tout petit peu, parce que la chapelure boit énormément l'eau. Et après, on va finir la préparation de l'amorce. Pendant ce temps-là, je vais finir de préparer mes lignes. Voilà, donc là, l'amorce a bien gonflé. Je pourrais pratiquement pêcher avec. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même un courant qui est assez soutenu sur cette partie-là. Donc, je vais ajouter 1 kg de terre de taupinière pour bien coller l'ensemble. Allez, on va en remettre un paquet. De toute façon, à cette saison, la terre, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Ça sera pas aussi propre qu'avec le batteur, mais bon, c'est pas grave, une fois que ça va être au fond, ça fera quand même le taf. Voilà, donc là j'ai ajouté la terre, ça me fait des boules bien lourdes. Si besoin, je pourrais rajouter de l'imbentonite, mais surtout avant d'amorcer, je vais rajouter du gravier. Donc ce sont des graviers que j'ai préparés à la maison. J'ai pris dans mon tas de sable. Donc, je les ai préparés hier soir. Voilà, ça sert à rien d'acheter des graviers. Il faut juste qu'ils soient bien calibrés. Bon, pour ça,
faut se servir de plusieurs tamis. C'est assez simple. Alors ne me demandez pas dans les commentaires comment on prépare le gravier. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça bien en détail. Voilà. Ça va me permettre d'alourdir correctement les boules et surtout d'avoir une amorce qui tient bien dans le courant. Dans l'amorce, je vais uniquement mettre des zèches inertes, donc des asticomores, du chêne vie et quelques grains de maïs qui, j'espère, me permettront de sélectionner les gros gardons. Voilà, j'espère que ces 2-3 conseils vous permettront de préparer une très bonne amorce pour pêcher en rivière, surtout à cette saison quand l'eau commence à monter. Voilà, bah écoutez, continuez à vous abonner, la suite arrive très prochainement, et puis je vous dis à bientôt, et surtout merci à tous pour vos partages. Allez.